Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ici Michel Drucker qui vous parle en direct depuis le Parc des Princes, où dans quelques instants, nous allons assister au match international amical qui va opposer les équipes de France, l'équipe de France à l'équipe du Danemark. Au moment où nous prenons l'antenne, la musique du 8e régiment de transmission du Mont Valérien vient de quitter la pelouse après l'exécution des hymnes. Et les deux équipes, vous le voyez, posent pour les photographes. Ici, c'est l'équipe du Danemark, alors que Pierre Badel vous montre ici la composition de cette équipe qui, je vous le dis tout de suite, est beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus redoutable qu'elle n'y paraît, car 9 joueurs des 11 que vous voyez ici en surimpression sont des joueurs professionnels qui exercent leur métier dans des grands clubs allemands, belges ou hollandais. Vous voyez cette composition d'équipe, c'est l'équipe annoncée par nos confrères avec Jensen, Hansen, Bier, Von Sid, Jensen, Olsen, Bjørn Moos, Olsen, Abeck, Lund et Jensen. Le capitaine de la formation est l'excellent Christian Bier qui joue Racing White de Bruxelles, club qui est en tête du championnat de Belgique actuellement. Au centre du terrain, les deux capitaines qui sont d'ailleurs Christian Bier dont je vous parlais il y a un instant et Georges Beretta échangent les poignées de main traditionnelles. Et dans quelques secondes, M. Heinz Haldinger de la République fédérale allemande, qui est assisté ce soir de M. Peter Spiegel et Eric Fleiderer, va donner le coup d'envoi de ce match, qui est le troisième de l'ère Kovac, on peut le dire. En effet, depuis la rentrée de septembre, depuis que M. Stefan Kovac a pris les choses en main, eh bien, l'équipe de France joue pour la deuxième fois sur la pelouse du Parc des Princes. Cette équipe, vous la voyez, il y a de très nombreux changements. Et ce qu'il faut signaler, ce qui est très important, c'est que c'est la plus jeune mise sur pied jusqu'à ce jour. La moyenne d'âge est de 23 ans et demi. Et si vous vous intéressez au football, vous voyez de nouveaux noms qui viennent s'inscrire sur la liste déjà longue des joueurs qui ont joué sous le maillot tricolore. Il y a 6 nouveaux noms, Bertrand Demann qui remplace Baratelli. Il y a les arrières Mercadier et Bracci qui font leur entrée car Trésor et Gravin ne sont pas là. En demi, il y a Ravier qui remplace Jouve. Les avants, Revelli et Saramagna remplacent Molitor et Loubet. Il s'agit bien sûr de 6 nouveaux par rapport à l'équipe qui disputa le dernier match international de l'équipe française à Gelsenkirchen il n'y a pas si longtemps et qui s'inclina avec les honneurs face à la redoutable équipe d'Allemagne de Buzyn. Le coup d'envoi dans une seconde, si vous avez la couleur. L'équipe de France à droite, maillot bleu, culotte blanche, bas rouge, et l'équipe bien sûr du Danemark, maillot blanc, culotte noire, bas jaune. Le coup d'envoi dans une seconde par M. Haldinger. Température très fraîche, environ 25 000 spectateurs. Et dans l'ensemble, de très bonnes conditions pour assister à une très bonne partie. La première balle est pour Henri Michel, le joueur nantais qui occupe le milieu de terrain. Hervé Revelli qui revient après plusieurs saisons d'absence, qui a donné à Ravier, le Lyonnais, dans les 16 mètres. Tir contré par le capitaine Bier, qui va donner directement à Birgen Jensen, le gardien du club B1903 de Copenhague, dont c'est la troisième sélection. Je vous l'ai dit, dans cette équipe du Danemark, il y a 9 joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Et non des moindres, Bayern de Munich, Mönchengladbach, Racing White. Des joueurs qui ont l'habitude des matchs difficiles et qui ont été rappelés par le sélectionneur danois, M. Stitrich, pour ce match. Et dire que les Danois ne prennent absolument pas ce match de football à la légère. Bracci, le jeune Marseillais François Bracci qui fait sa grande entrée en équipe de France. Henri Michel qui essaie de lui donner une balle et c'est une remise en touche par le jeune Bracci, un peu contracté dans les vestiaires avant le match, on le comprend, il n'a que 21 ans, c'est sa première sélection. Mais c'est un excellent joueur qui a tout l'avenir devant lui. C'est Mercadi, encore un jeune, qui a donné la balle à Bracci. La balle était... Non, monsieur Haldinger a jugé que l'intervention danoise était dangereuse. Coup franc. Ravier franchit la ligne médiane. Ravier, au milieu du terrain maintenant, change complètement d'elle. Amortit la poitrine d'Henri Michel. Repellini là-bas. Et c'est maintenant Adams, qui est le seul Niçois présent ce soir sur la pelouse du Parc des Princes. Jean-Pierre Adams, avec le capitaine stéphanois Beretta. Beretta perd la balle. Non, récupère, donne à Adams, son camarade. Encore Ravier, bien placé. 25 mètres début, qui alerte l'ailier gauche Christian Saramagna. Centre intercepté. Le contre est favorable. Beretta qui va essayer. Non, la balle est sortie. La balle est sortie. Première attaque dangereuse pour l'équipe française après 2 minutes de jeu. Et dégagement de Jensen, qui est le seul joueur amateur avec Elk Von Sild ce soir. Les 9 autres joueurs qui forment l'équipe du Danemark, je vous l'ai dit, sont des joueurs professionnels. C'est important de le signaler, car vous verrez au cours de ce match que certains sont de redoutables footballeurs que vous avez d'ailleurs déjà vus sur vos écrans dans les compétitions européennes.
Repellini aux prises avec l'excellent ailier gauche de l'équipe du Danemark. Tête de Jean-Pierre Adams. Chiesa replié de l'intérieur du pied. Calme le jeu. Remonte le terrain. Le petit Chiesa qui est avec Ravier, le seul Lyonnais de l'équipe ce soir, alors que Lacombe est indisponible, il est blessé. Beretta ralentit un peu le jeu, donne à l'arrière droit Pierre Repellini de Saint-Etienne. Il y a de nombreux joueurs de Saint-Etienne dans cette équipe ce soir, ce qui va faire plaisir à tous les supporters du Forez. Région où le football est très populaire, les Danois. Contre-attaque par le numéro 7, Morten Olsen, qui joue au cercle de Bruges. Qui s'est débarrassé du ballon, a servi son camarade Bornmoos. Bonne intervention, très nette et très énergique d'Adams. La balle pour Olsen, l'homme de milieu de terrain qui joue à Utrecht. Essayer de donner à Lund. Les Danois contrôlent toujours avec Olsen, toujours. Très athlétique, Olsen, une main qui n'a pas échappé à l'arbitre. Et une charge de Bracci. Qui n'est pas du goût du Danois. C'est en tout cas un dégagement de Bertrand Demann qui fait sa grande entrée ce soir dans l'équipe française. Bertrand Demann est un gardien gigantesque, il mesure 1m92, il est jeune, 21 ans, et c'est le gardien titulaire de l'excellente équipe de Nantes. Hervé Revelli a voulu donner à Beretta, mauvaise passe. Bière, le capitaine, qui joue au Bayern de Munich. Intervention jugée suspecte, intervention de Repellini, coup franc pour l'équipe danoise. On joue depuis 4 minutes et 30 secondes de jeu ici au Parc des Princes. Von Sid, joueur des Randers, donne à son capitaine Christen Bier qui lui redonne. Maintenant, tous les Danois dans le camp français. Avec maintenant Olsen. Tentative de reprise de la tête par l'avant-centre à Abeck. Repellini qui ne s'en laisse pas compter, qui dégage avec beaucoup d'autorité. Balle interceptée malheureusement par un Danois. Bornmoos. Les Danois tranquillement calment le jeu. Bier. Essaie d'alerter le petit numéro 10, Flemming Lund, intervention de Bracci, qui débute bien ce match. Les Danois maintenant, toujours dans le camp français, par le numéro 8, Ole Bjørnmoos, qui joue à Hambourg, une excellente équipe du championnat d'Allemagne. Encore Bjørnmoos, prise avec Serge Chiesa. Les Danois toujours, qui se battent là-bas sur le flanc gauche. Amorti de la poitrine de Revelli, Chiesa. Dans le rond central, cherche un camarade dans bonne position, trouve Beretta. Voilà qui est bien joué. Beretta va-t-il tenter sa chance? Il pourrait, voilà un bon tir de Beretta, non. Puissant, mais qui manque de précision. Le public applaudit. Première donc tentative et premier tir français par Georges Beretta, le capitaine de la formation française, qui joue ce soir au milieu du terrain dans l'équipe française, aux côtés d'Henri Michel et de Ravier. Bière. Encore Bière. Capitaine danois. C'est le gigantesque Olsen, très athlétique maintenant. Il va essayer d'échapper à la vigilance de Sarah Magnel. Il est obligé de mettre en touche. Remise en jeu française, Ravier. Trouve Henri Michel. 25 mètres environ au début danois. Que va faire Henri Michel? Il tire! Il tire, il a raison. Michel a déjà marqué de très nombreux buts au cours de sa longue et brillante carrière. Il était d'un tir très puissant. Il a tenté sa chance, peut-être d'un peu loin. C'est en tout cas le deuxième tir français, manquant bien sûr de précision. Mais les Français essaient de surprendre l'excellent Jensen, qui est à sa troisième sélection. Il fait sa troisième sélection ce soir à Paris. Armania aux prises avec le terrible Johnny Hansen, l'arrière du Bayern. Bracci, longiligne, Bracci, joueur solide. Le voici Bracci, le Marseillais, Ravier, le long de la touche, Ravier. C'était Saramagna plus exactement qui a tenté un centre. Tête de Michel, Revelli, ah belle reprise de Revelli, très belle reprise de Revelli. Dans la foulée, reprise de volée à la limite de la surface de réparation. Le ralenti vous permet d'apprécier sur ce centre. Une tête de Michel, regardez, au rebond et de volée. Très belle action. Bel arrêt de Jensen sur une tentative d'Hervé Revelli. Voilà qui va mettre en confiance les attaquants français. Saramagna qui échappe à Jensen. Ce n'est pas un mince exploit.
et je crois que c'est le premier corner de la partie. Concédé par l'arrière du Bayern de Munich, le Danois Johnny Hansen, qui avait été pris de vitesse par Sarah Magna. Tête de Ravier, tête de Michel. Toute la défense danoise bien groupée devant ses buts. Mais l'arbitre allemand avait sifflé, me semble-t-il, non. Touche et directement une vingtaine de mètres pour Birgit Jensen. 8 minutes de jeu ici au Parc des Princes. Si vous ouvrez seulement, si vous allumez seulement votre récepteur de télévision entre la France et le Danemark. Et pour l'instant, 3 tentatives françaises avec une belle occasion de but sur le pied d'Hervé Rebelli. Faute. Coup franc, 35 mètres environ, au bénéfice de l'équipe danoise. Von Sitt qui vient tirer. Non. Pour Habeck, Bertrand Demann va pouvoir dégager. Engagement très aérien. Intervention du capitaine Bière. Manquant de précision et les Danois sont obligés de s'accrocher pour récupérer le ballon. Michel, très décidé. Taramagna. Ballon central pour le petit attaquant Serge Chiesa. Par balle au pied, monte, il n'est pas attaqué, il continue. Beretta en position d'ailier droit. Et puis c'est maintenant Repellini, seul Adams et Mercadier. Forme le dernier rempart français. 9 joueurs français dans le camp danois. Bracci. Bracci, oh là là, ceinturé sous les yeux de l'arbitre. Coup franc indiscutable, bien sûr. Et dangereux pour l'équipe danoise. À 18 mètres environ pour une faute de Olsen qui a, vous l'avez vu, ceinturé Bracci qui était en bonne position. Le public siffle le danois. 6 joueurs, 7 joueurs maintenant. Essaie de protéger leur gardien. 2 à droite et 6, 5 exactement devant Beretta. Beretta, Revelli, ensuite Saramagna. Ce sont les 3 Stéphanois qui vont essayer de tromper la défense danoise. Ah, c'était bien joué, c'était bien vu de la part de Saramagna. C'était bien vu, une balle en finesse de l'intérieur du pied. Regardez, un crochet. Essayer de surprendre le gardien qui était légèrement avancé, qui a accompagné du geste cette balle qui ne l'a pas inquiété. C'était bien pensé de la part de Saramagna. Pour l'instant, des tentatives françaises, mais manquant de précision. Espérons que les Français vont ajuster un peu mieux leur tir et vont trouver le cadre. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ravier. Saramagna, le contre défavorable aux Stéphanois. Et tranquillement, Hansen, Johnny Hansen, donne à Birgit Jensen. Très prudemment. Mauvais dégagement du gardien danois. Oui, charge irrégulière de Repellini sur un attaquant. Danois, c'est un coup franc. Pratiquement sur la ligne médiane. C'est le capitaine Bière qui vient tirer ce coup franc. Tarde un peu, cherche un partenaire. A trouvé très près de lui Olsen. Les Danois temporisent un peu. Se cherchent. Encore Olsen. Cercle de Bruges. Olsen trouve Habeck. Lui est au FC Bruges. Autre club belge. Et puis un peu aérien de Viggo Jensen. Qui est l'autre Jensen qui joue au Bayern. Encore Bière. Pour l'ailier gauche, Emming Jensen. Qu'on a peu vu jusqu'à présent. Et qui lui joue à Mönchengladbach. Revelli. Très décidé, il y avait Revelli. Beretta est à sa gauche. Chiesa vient en appui. Il est maintenant servi, le Lyonnais. Chiesa toujours, une trentaine de mètres de la cage de Bergen. Encore Beretta. Voilà, Repellini a fait un appel. Les deux hommes se connaissent bien. Ils jouent tous les deux à Saint-Etienne. Centre. Ah, tête de Revelli. Ça n'était pas facile de surveiller de très près par 2 défenseurs très athlétiques. Mais Revelli a tenté sa chance. Revelli qui veut marquer. Son retour en équipe de France. Ravelli qui joua plusieurs saisons à Nice et qui a maintenant retrouvé son club de Saint-Étienne et aussi son frère Patrick qui est d'ailleurs sélectionné aujourd'hui comme remplaçant. Ravier. Henri Michel.
Que va-t-il se passer? Chiesa est à droite, Beretta en pointe là-bas, qui est servi. C'est très bien joué de la part du Nantais, car Beretta a le champ libre. Que va-t-il faire? Tentative de dribble, fin de corps, et tir à ras de terre contré. Ça n'est pas terminé, les Français contrôlent toujours par Chiesa. Henri Michel, centre de Michel, directement sur le gardien. Alors que Hervé Révélie était tout de même venu. En avance entre opportunistes, venu inquiéter tout de même et menacer Jensen. Bière. Les Dallois ne se sont pas encore montrés particulièrement dangereux en attaque. La défense française, la jeune défense française avec Mercadier, Bracci, avec Adams, Repellini, fait un excellent début de match. Touche avec Johnny Hansen. Essayer de trouver Abeck. Abeck qui est surveillé par Mercadier qui ne lâche pas une seconde. Et pour l'instant, le jeune Mercadier tient la dragée à son adversaire. Premier centre et première tentative. Action dangereuse des Danois. Un retourné complètement manqué par l'ailier gauche. Il y avait d'ailleurs un hors-jeu signalé par le juge de ligne, monsieur Stiegele. Dégagement de Bertrand Demann. Les Danois avec Bjørn Moos. Bjørn Moos qui démarque Jensen, le joueur danois qui joue à Mönchengladbach, club qui occupe la deuxième place pour l'instant du championnat d'Allemagne, à égalité avec le Bayern. Jensen n'est pas le premier attaquant venu. Et pour l'instant, Repellini le surveille très bien. Il ne laisse pas prendre des initiatives. Mercadier en fait autant avec Habeck, je vous l'ai dit. Voilà Repellini qui se défend très bien. Beretta. Lui est de terrain, un des poumons de cette équipe, Georges Beretta. Toujours le capitaine, le joueur stéphanois, Repellini, Chiesa sur le flanc droit maintenant. Les Français essaient de trouver la faille, non. Un appel de balle de Révélie qui n'a pas été compris par Chiesa, ce qui permet à la défense danoise de dégager et de prendre son temps. Beretta, trentaine de mètres de la cage danoise. Ravier. Crochet de Ravier. Non, un peu court cette passe. Réveillé un peu court. Elle était destinée à Saramagna. Bracci. Et visine un coup franc pour une charge jugée peu orthodoxe de Fleming Lund, qui n'est pas d'accord. Chiesa. Révéli. Chiesa, tout cela très bien joué. Chiesa, Révéli, c'est bien tout cela. Michel, les Français n'ont pas perdu la balle. Contrôle le jeu, centre du pied gauche de Saramagna. Et deuxième corner concédé par le demi-centre Viggo Jensen. Regardez le très bon centre stéphanois. Chiesa arrivé à toute vitesse, contraignant l'arrière danois à mettre en corner. Voilà, Chiesa tire ce corner, une tête de Ravier étouffée par Bière, le capitaine. Repellini qui rabat la balle pour Michel. Encore bien. Tire de Michel. Ah, c'est dangereux. Jensen s'est méfié du rebond. Il était sur la trajectoire. Vous voyez que après 16 minutes de jeu, très exactement, l'équipe française se comporte fort bien. C'est créé des occasions de but par Beretta, par Saramagna, par Révélie, par Chiesa. Tout cela est encourageant. Adams, qui a eu peu de choses à faire jusqu'à présent. Et oh là là, il était temps. Oh, c'est une bon réflexe de Bertrand Demann. L'arbitre, le juge de ligne avait levé son drapeau, heureusement. Mais Jean-Pierre Adams là aurait pu être à l'origine d'une catastrophe. Là. Il a pris tout son temps, un peu trop calme, peut-être un peu trop sûr de lui. Ça a failli coûter très cher. Bertrand Demann, de toute façon, était bien sorti. Il y avait hors-jeu. Voilà, occasion très très nette pour les Danois sur une faute grossière de la défense française. La première. Henri Michel,
cherche un partenaire bien placé. Alerte Revelli. La balle n'est pas perdue. Saramagna, crochet. L'angle est maintenant tout à fait fermé. Hansen est revenu. Et troisième corner, concédé par l'arrière Johnny Hansen du Bayern de Munich, qui a bien du mal à contenir l'excellent Christian Saramagna. À l'origine du troisième corner français. Corner tiré en retrait, un peu trop en retrait, ce qui permet à la défense. Non, reprise de Bracci du pied droit. Non, manquant tout à fait de précision. Un changement d'aile involontaire. Et c'est une touche danoise. Les Danois. Olsen. Olsen toujours. Surveillé par Repellini. Revient en arrière. Adams qui a évité le danger. Il était menacé sévèrement par Henning Jensen, l'ailier gauche. Mercadier. Directement Bertrand Demann. À l'ouverture, Beretta. Hansen. Tête de Bracci sur Saramagna, isolé sur l'aile gauche. Saramagna a tout son temps. Que va-t-il faire? Essayer de prendre de vitesse encore l'arrière danois. Oui, contré. Quatrième corner. Il y a plusieurs duels dans ce match. Il y a le duel que se livrent Abeck et Merchadier, Repellini Hansen et Saramagna Johnny Hansen. Balle n'est pas perdue. Henri Michel. Chiesa qui va avoir tout son temps pour centrer maintenant. Voilà, Revelli bien placé. Nouveau corner concédé cette fois par Olsen avec une mésentente entre Hansen et Bjørn Mose. Cinquième corner danois après 20 minutes de jeu. Dégagement, Bjørn Mose, manquant de précision, très aérien. Et un superbe raté de Hans Habeck, l'avant-centre replié qui va permettre aux Français de se dégager. Mercadier en position d'ailier droit avec Chiesa et c'est maintenant le jeune Repellini. Fait un très très bon début de match. Chiesa, Mercadier. Merchadier, un grand espoir du football français, le Stéphanois. Saramagna dans les 16 mètres. Crochet, le pied droit qui n'est peut-être pas son meilleur pied. Qui recontrait, Ravier. Ravier cherche lui la meilleure position. Oui, alerte Saramagna, ça n'est pas perdu. Centre de Saramagna, tête de Bière, le capitaine danois. Et c'est fini maintenant pour les Français. Ce sont les Danois par l'ailier gauche Henning Hansen. Avec Lund. Encore Jensen. Change complètement. Mauvaise passe pour Revelli. Ça repart pour la France avec Henri Michel, le Nantais. Chiesa. Alors les Français dominent, certes, mais à l'approche de la zone de vérité des 16 mètres. Manque de précision, temporise, perdent du temps et perdent le ballon. Avec Viggo Jensen, Bière, nouvelle touche. Bière, le capitaine que les Parisiens reverront d'ailleurs dans quelques jours, car avec son club, le Racing White, qui est actuellement en tête du championnat de Belgique, il viendra disputer un match amical contre le Paris Football Club. Ce sera un match intéressant. Chiesa. Ouverture, Jean-Pierre Adams. Adams qui décide de monter lui aussi à l'assaut. Adams. Oui, Chiesa lui a remis dans les pieds. Adams toujours. Tir de Ravier, bon tir, bel arrêt. Très bien Ravier, très bon tir à ras de terre. Très net, très bien armé de l'excellent Ravier. Daniel Ravier de l'Olympique Lyonnais. Première sélection officielle en équipa, il avait été sélectionné remplaçant jusqu'à présent. Excellent joueur.
qui est sans doute encouragé à distance par ses camarades de l'Olympique Lyonnais. Attention à Lund qui peut centrer Adams. Oh, une faute et un bel arrêt de Demann, Bertrand Demann, sur un tir de l'avant-centre avec. Bonne intervention de Bertrand Demann, dans les mêmes conditions que son vis-à-vis Janssen, tir à ras de terre. Le match s'anime maintenant, les Danois se montrent plus percutants, plus dangereux. Les contre-attaques menacent les arrières latéraux. Henri Michel, les deux numéros 8, face à face. Bornoz et Michel. La balle était-elle sortie? Le juge de ligne lève son drapeau, oui, le public protège de l'autre côté là-bas. Et il y avait une faute, le coup franc est maintenant tiré centre. De Repellini qui revient prendre son poste. Henri Michel, que va-t-il faire? Ah, il a oui, il manque de pas d'appui, pas de partenaire bien placé. Tire du pied gauche, c'est peut-être pas le meilleur pied d'Henri, mais il a eu raison de tenter sa chance car il ne voyait pas de solution. Aucun partenaire de la ligne d'attaque était en bonne position, il avait préféré tirer. Christen Bier. Attention, attention à Bjørnmoos. Bonne intervention de Ravier. Bjørnmoos revient et bouscule Revelli. C'est un coup franc indiscutable. Ça se passe sous les yeux de M. Heinz Haldinger, qui tient parfaitement les deux équipes, qui arbitre ce match avec une belle autorité. Un match très clair. Ravier. Intervention de Bjørnmoos. Et libre de tout mouvement. Henning Janssen, l'ailier gauche, qui se promène là à proximité du rond central, cherche un partenaire démarqué. Un relais avec Olsen, le joueur de Hambourg. Les deux joueurs se rencontrent assez souvent en championnat d'Allemagne. L'un joue à Hambourg, l'autre à Mönchengladbach. Von Seed, public s'impatiente. Je ne comprends pas que les Danois n'accélèrent pas, temporisent à ce point. Nous sommes en début de match. Il s'agit d'un match amical. Les Danois sont-ils venus chercher un match nul? Pour l'instant, il se montre peu agressif, mais dangereux dans les contre-attaques. Le petit Lund a glissé. C'est un des plus petits joueurs sur le terrain avec Chiesa, Lund. Coup franc qui va être retiré par Johnny Hansen, que vous avez vu souvent avec l'excellente équipe du Bayern de Munich, champion d'Allemagne, et qui est actuellement deuxième du championnat. Vous l'aurez d'ailleurs sans doute encore en Coupe d'Europe, car vous savez que le Bayern est toujours en course, ayant éliminé son rival d'Allemagne de l'Est, Dresde. Janssen. Ah, il y a des explications très sévères là-bas sur l'aile. Numéro 7, Morten Holsen. Utrecht. Georges Beretta qui a poussé beaucoup trop cette balle. Michel. Contre défavorable malgré un tacle très énergique et la balle revient dans les pieds du capitaine Bier. Adams tranquillement pour le joueur nantais Michel. Non, Olsen et puis maintenant Lund. Attention à Olsen, le numéro 7, il est très dangereux, mauvaise passe. Le petit Lund va essayer d'éviter la sortie, il ne peut rien. Bertrand Demann. Bertrand Demann qui est donc titulaire pour la première fois à l'équipe A avec comme remplaçant le Sudanais Charrier. Et puisque je vous parle des remplaçants, je vous précise que dans un match de ce type, eh bien, c'est le cas ce soir, deux joueurs de champ seront admis. Stéphane Kovac est l'entraîneur danois pour utiliser deux joueurs de champ supplémentaires, plus le gardien de but. Et Kovac fera peut-être des expériences en deuxième mi-temps. N'oublions pas que dans les remplaçants, nous trouvons Victor Svanka de Marseille, Papi de Bastia, Patrick Revelli et d'Alger de Monaco. C'est intéressant peut-être de voir ces joueurs. N'oublions pas que cette équipe est expérimentale. Cette équipe sont ces joueurs qui devraient permettre
un redressement offensif de notre football dans les années à venir. Oh là là, très dangereux là-bas de laisser Bjørn Moos seul là-bas. Bjørn Moos à la limite, bon contre de Repellini, mais Jensen est encore là, centre directement sur Bertrand Demann, qui peut dominer la situation du haut de son mètre 92. C'est le plus grand joueur sur le terrain. Un des plus grands gardiens du monde d'ailleurs par la taille. Très peu de gardiens qui dépassent le mètre 90. Beretta sur une erreur de la défense. Beretta, les deux capitaines, et tranquillement, Bière préfère mettre en corner. C'est le sixième corner alors que nous abordons la 29e minute de ce match. Corner tiré par Beretta. Il aperçoit Michel au point de pénalty et puis Revelli. Saramagna, dégagement du point de Jensen, le gardien. Dans les 16 mètres, Saramagna aux prises avec Jensen. Centre de Saramagna, personne sinon à Danois, et une tête de Bière directement dans les bras de son gardien. Voici Bière, Bière qui a disputé 99 matchs de suite en 3 ans, au cours de ces 3 dernières années. Un modèle de régularité, c'est un joueur très solide. Olsen. Encore Pierre. Et de Chiesa. Rappellini. Position en position d'arrière, gauche. Je ne sais pas ce que voulait faire le Stéphanois, mais c'était dangereux. Merchadier. Rappellini. Qui a repris sa place à droite. Beretta, Chiesa, une vingtaine de mètres de la cage danoise. Ravier, non. Oh là là, un contre qui aurait pu être dangereux. Une mauvaise passe qui est vraiment, qui a frôlé le pied de Revelli, qui n'en demandait pas tant. Il a d'ailleurs été surpris, Hervé, de voir cette balle qu'il n'attendait pas. Adams, Michel. Revelli, encore Henri Michel, pris en sandwich, l'arbitre laisse jouer. Bière le capitaine. Et ça repart pour Emil Jensen. Longue balle là-bas pour l'Athletic Bjørn Moos. C'est la 11e sélection ce soir. Bjørn Moos d'Hambourg. Essaie de prendre de vitesse Adams. Il met directement en touche. Pierre Adams, je vous l'ai dit, est le seul niçois retenu ce soir par Stéphane Kovac. En accord bien sûr avec les niçois et avec M. Snell. L'entraîneur a préféré laisser au repos les niçois qui sont encore engagés dans une compétition européenne, vous le savez. Adams. Et Adams, lui, n'est pas engagé dans cette compétition européenne car il est suspendu pour 3 matchs à l'issue d'incidents au cours du match contre Istanbul. Ravier. Saramagna, exactement. Et oui, Saramagna qui a peur de toutes les couleurs à ses gardes du corps. Voici Ravier. Intervention. Il était temps, encore un corner, et c'est Von Sint qui, de justesse, alors que vous voyez ici de profil Stéphane Kovac qui allume cigarette sur cigarette, très anxieux comme à son habitude, l'entraîneur roumain. Qui tente de remettre sur pied, sur les rails, notre football après cette élimination de la Coupe du Monde. Chiesa. Ah, le public s'impatiente. Maintenant, nous avons 31 minutes de jeu ici au parc et nous voudrions bien avoir un but. Peut-être sur cette action de Chiesa. Beretta, le point de pénalty. Et là, il était serré très près par 3 joueurs. Vous voyez l'anxiété qui se lit dans le visage de l'entraîneur roumain. Qui entraîna, vous le savez, pendant 3 saisons, l'équipe d'Ajax Amsterdam, qui vient de disparaître de la Coupe d'Europe. Est-ce une conséquence du départ de Kovac, une conséquence du départ de Cruyff? Difficile de le savoir, toujours est-il que les Hollandais ont été battus par l'excellente équipe de Sofia. Match un peu décousu depuis quelques minutes. Lund, le petit blond Lund. D'Anvers démarque Henning Jensen. Attention à Lund, le petit 10. Il est vraiment un danger constant pour la défense française. Il va très très vite, très percutant, très incisif. Regardez-le, il menace le géant Bertrand Demann. 1m65 contre 1m92.
Beretta. Ravier. Chiesa. On a joué un peu plus vite maintenant avec plus de vivacité. Les minutes passent. Le score est toujours vers 0-0. Encore Ravier, un peu lent tout cela. Ça fait Ravier tendre sa chance de très loin. L'arrière accompagne. Certains Français réclament un corner. Alors donc le ballon a été touché au passage par un arrière danois. L'arbitre, M. Aldinger, était bien placé. Hier. Vansin. Pellini. La manque de précision. Martin Olsen. Attention à Bjørn Moos. Redoutable ce Bjørn Moos. Très athlétique. Un joueur rugueux. Sans doute destiné à l'avant-centre à Beck. Qui ne donne rien. Mauvais dégagement de Bertrand Demann dans les pieds de Lund. Attention à Jensen. Tir de Jensen au-dessus. Ah, Bertrand Demann a dégagé un peu vite à la main et Lund, très opportuniste, toujours aux avant-postes, en embuscade, a intercepté ce dégagement. Dégagement du gardien nantais. Nous jouons maintenant depuis 34 minutes. Encore 11 minutes de jeu en première période, toujours 0-0 ici au Parc des Princes entre la France et le Danemark. Adams. Ravier. Beretta, c'est le milieu de terrain français là. Qui travaille encore Beretta. Bien accroché au sol, Ravier, tout cela est bien joué. Ravier, Revelli, Beretta. Tir de Beretta. Contré, tout cela était très bien joué. Là, les Français ont tenté quelque chose de très difficile. Et comme c'est souvent le cas, ils étaient à tout près de réussir une action difficile alors que les choses les plus faciles sont souvent ratées. Et nouveau corner. Huitième. Beretta. Tire. Qui ne donne rien. La balle était sortie. Caramagna fait tout son possible pour ramener la balle au centre. Mais ce centre-tir de Beretta ne pouvait inquiéter la défense danoise. L'équipe du Danemark. Un point commun avec l'équipe française, c'est qu'elle ne disputera pas la prochaine Coupe du Monde. Les Danois étaient dans le groupe 8 avec l'Écosse et la Tchécoslovaquie. Ils ont terminé dernier de ce groupe. Ils n'ont donc plus rien à perdre. Et... Revelli, bousculé. Oui, cisaillé par Jenny Hansen. Voilà un coup franc en bonne position pour l'équipe française. Une vingtaine de mètres, pratiquement face au but de Birgen Jensen. Ouais, sur cette action au ralenti, on voit bien Jensen, l'arrière du Bayern de Munich, qui fauche littéralement. Et donnant de la chance que cette action ne soit pas produite 10 mètres plus loin, car c'était le pénalty indiscutable. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. Véritable rempart danois. Que vont faire les Français? J'aperçois Beretta, qui est doté d'une très bonne frappe du pied gauche. Serge Chiesa est là, qui prend un direct. Alors Chiesa va sans doute donner à Beretta. Monsieur... Haldinger, l'arbitre de la République fédérale allemande, demande au mur de reculer. Voilà, non, tir complètement manqué. La balle avait été donnée en retrait à Henri Michel, qui repart tête basse. Mécontent d'avoir manqué ce tir, il a mal armé son tir. Ce tir avait la puissance, mais manquait tout à fait de précision. Il est passé largement à gauche de la cage du gardien danois. Nous jouons maintenant les dernières minutes, les 8 dernières minutes en première mi-temps entre la France et le Danemark, toujours 0-0. On s'impatiente ici au parc, et vous aussi sans doute devant votre récepteur de télévision, vous aimeriez voir des buts, nous aussi, et Pierre Badel également, ce qui lui permettrait de vous faire, de vous disséquer ces buts au ralenti. Car le ralenti est une merveilleuse invention au football pour revoir des buts, mais pour l'instant il y a peu de buts. Beretta, chargé, oui, avec un rideau formé par Bjørn Moos et Bière, c'est un coup franc indiscutable. Henri Michel. Capellini, tous les Français en attaque maintenant, seul Adams, dernier rempart dans le rond central. Tous ses camarades sont maintenant dans le camp danois. Capellini, centre d'Henri Michel, brossé de l'intérieur du pied. Bon dégagement du point
Et Hervé Revelli reste au sol. Ça n'est pas grave. Le joueur stéphanois, très courageux, a essayé de reprendre de la tête. Il était un peu bousculé par Jensen, qui est venu écarter le danger en boxant ce ballon. Plus de peur que de mal, Revelli reprend sa place. Je rassure les supporters stéphanois. Bracci. Adams. Pierre Adams. Mauvaise passe d'Adams. Michel ne pouvait pas capter ce ballon. En revanche, les Danois n'en demandaient pas tant. Johnny Steenholsen, seul joueur qui joue avec les bas baissés, joueur du Bayern de Munich, joueur de Utrecht, pardon. Belle tête de Lund avec une intervention d'Adams. Attention à Lund, centre dans l'intérieur. Tête de Repelini, garde de danger. Contre-attaque d'Avé Revelli. Voilà qui est bien parti. Repelini, le joueur de Saint-Etienne est parti à l'aile droite. Beretta est là aussi. Revelli poursuivi par Björn Moos. Croise avec Beretta, nous fait fort bien jouer Chiesa. Chiesa, il faut jouer vite maintenant. Remise. Et non, c'est terminé maintenant. Les Danois, avec beaucoup de calme et de sang-froid, ont enrayé, étouffé cette attaque française. Mais Ravier récupère. Beretta a pris tenter sa chance. Oui, tir violent de Beretta directement sur Bière. L'arbitre pense que Bière s'est aidé un petit peu de ses avant-bras, voire même de sa main droite pour étouffer ce tir, arrêter ce tir. C'est donc un coup franc bien placé, même scénario qu'il y a 5 minutes environ, mieux placé d'ailleurs, face au but maintenant, alors que le gardien Jensen place ses camarades qui font le mur. Monsieur l'arbitre va demander sans doute au mur danois de reculer, mais oui, messieurs, reculer, c'est le règlement, 9 mètres. Alors, est-ce que Michel... Non, Michel n'est pas là pour tirer, j'ai l'impression que c'est Beretta. À moins que ce soit Saramagna qui dotait d'une bonne frappe de balle. Tire de Saramagna, tir canon. Tire terrible de Saramagna qui dotait d'une des frappes les plus puissantes, les plus foudroyantes du championnat professionnel. Saramagna du gauche, directement sur Jensen qui a même reculé de quelques centimètres. Il a accusé le coup. Mais il était bien sur la balle, bien placé, l'excellent gardien danois. Les 5 dernières minutes ici au Parc des Princes, toujours 0-0 avec des occasions de but françaises, mais le gardien Jensen était toujours là. Corner, le premier pour le Danemark. Avec le petit Lund. Aperçoit Jensen, 5 joueurs danois dans les 16 mètres français. Bertrand Demann dégage du point, attention, Bracci. Calmement Bracci. Oh là là, que c'est dangereux, que c'est dangereux. Bertrand Demann recule maintenant à toute vitesse, revient prendre sa place dans ses buts, car Bracci a commis une erreur. Il faut des choses qui arrivent. Mercadier, ouf. Oh là là. Le public du Parc des Princes pousse un soupir de soulagement qui se transforme en sifflet de mécontentement. Là, la défense française a montré particulièrement maladroite, elle a un peu paniqué. Il aurait pu lui coûter cher. Il y a 2 ou 3 reprises, les jeunes défenseurs français ont perdu leur calme, ont manqué de sang-froid. L'arbitre de ligne, le juge de ligne a levé son drapeau. Charge irrégulière. Encore un coup franc, une trentaine de mètres sur la gauche de Jensen. Henri Michel. Beretta. Tire de Beretta, contré par le capitaine Bière. En pointe maintenant et en contre-attaque, Emil Jensen, qui sert Olsen, qui donne directement à Abeck. Lund, attention, ils sont en jeu en contre-attaque, c'est danois. Et Adam bien protégé. Jean-Paul Bertrand Demann. 3 minutes 32 de jeu encore. Avant la fin de la première période. Pellini. Ah, si les Français marquaient avant le repos, psychologiquement, ce serait important, très important. Peut-être sur cette action, Ravier, Revelli, non, un 1-2 qui ne passe pas. Intervention immédiate, Johnny Steenholsen, qui avance alors que personne ne l'attaque, c'est une erreur, toujours Olsen. Les Français reculent, encore Olsen, tir de Olsen au-dessus. Ah, les Danois se montrent dangereux en fin de première mi-temps, ils ont fait confiance. Il joue de mieux en mieux. Il faut dire que les Français qui terminent moins bien sa première période les aident un peu. Car la défense française a flotté à plusieurs reprises.
Dégagement de Bertrand Demann. Très puissant. Ravier. Avec Ravier attiré par le maillot, oui, c'est très juste. Très très juste. L'arbitre allemand, M. Haldinger, était bien placé. Björn Mose, joueur du SV Hambourg. Henning Jensen. Jensen, seul homme de Jensen qui réussit tout de même à donner à Björn Mose avec un peu de chance. Björn Mose s'entretire directement sur Bertrand Demann. Une charge irrégulière de Van Sill sur Révelli, coup franc. Michel. Non. Intervention danoise. Et attention, le petit Lund face à Bracci, la balle va sortir. Lund ralentit sa course. Saramagna à hauteur d'un tir fantastique de puissance. Ah, Saramagna qui demande à Fleming Lund d'être un peu plus régulier dans ses charges, dans ses tacles. Stéphanois est légèrement touché à la cheville gauche et il proteste, on le comprend. Mais ça n'était pas grave, ça n'était pas intentionnel de la part du Danois. Saramagna encore bousculé dans les 16 mètres. L'arbitre laisse jouer, encore Saramagna du pied droit, centre contré par Bier, le capitaine, et puis maintenant par Björn Mose. Encore le Stéphanois qui s'est beaucoup dépensé en première mi-temps. La balle n'est pas sortie, roule sur la ligne. Centre du pied droit de Saramagna. Tête de Ravier, Michel, Repellini. Bon. Changement d'aile, superbe renversement de Repellini sur Saramagna. Centre, dégagement du poids de Pertel. Le Judeline a levé son drapeau alors que la balle va mourir en sortie de but. Voilà une belle action avec à l'origine l'excellent Christian Saramagna, le Stéphanois, qui fête sa deuxième sélection. Il n'a que 22 ans et qui fait partie lui aussi de la vague montante des joueurs professionnels français. C'est un des grands espoirs de notre football et qui s'est fort bien comporté en première période. Et il a affaire à forte partie car c'est Johnny Hansen, l'arrière du Bayern de Munich, qui le surveille. Et Hansen n'est pas un tendre, rompu toutes les difficultés du football allemand. Et c'est la mi-temps, exactement, la mi-temps sifflée par M. Heinz Haldinger. Vous entendez sans doute le public du Parc des Princes qui siffle les deux équipes, et les Français en particulier, à leur retour au vestiaire. Il est un peu déçu, vous l'êtes sans doute aussi. Attendons la deuxième période. Nous allons en tout cas essayer pendant ces 12 à 13 minutes de repos d'analyser cette première période avec nos amis, avec des amis, avec des joueurs d'abord. Michel Drey se trouve sur la pelouse, je vais changer de micro. Michel. Je préviens le preneur de son, Michel Ruby, que je prends le micro interview. Michel. Voilà. Michel. Nous allons Michel. Donc changer de micro, essayer d'interviewer. Je vais voir si Michel Drey est en bas, car je crois qu'il a à ses côtés Patrick Révelli. C'est exactement, ça. Exactement, oui. Patrick Révelli. Alors, sur le banc de touche, il a fait un petit peu froid. Votre avis sur ces 45 premières minutes? Pour le moment, on domine à outrance. Je pense qu'on devrait encore davantage jouer sur l'aile gauche, parce que je pense que Saramagna, ce soir, peut faire quelque chose de très bien. Qu'est-ce qui manque à l'équipe de France pour réussir ce soir? D'abord, se défaire du marquage individuel au milieu du terrain et de là, alimenter dans de bonnes conditions les ailiers. Il n'est pas impossible que vous rentriez en deuxième mi-temps, alors allez au vestiaire. Je sais pas. Merci Patrick. À vous Michel. Merci Michel. Vous me rappelez dès que vous avez un invité. Je crois que Nestor Combin devrait se présenter à votre micro dans un instant. Deux invités ici dans la tribune de l'Eurovision, tribune de commentaires. Notre confrère que vous connaissez bien, Jean Escanazi, Journal du Dimanche, et Claude Brasseur. Je vais d'abord demander à Joël Scanazzi qui pense de cette première période qui était dans l'ensemble assez décevante. Eh bien, nous n'avons pas vécu évidemment un match international comme nous avons l'habitude d'en voir. C'était un tout petit match, un beau petit match de série. On comprend d'ailleurs très bien que ces deux équipes ne figurent pas à la Coupe du Monde. C'était gentil, ne soyons pas méchants. Si l'équipe de France était une grande équipe, ça se saurait quand même. Mais il y a quand même une bonne volonté évidente et il est très difficile d'être d'une sévérité excessive, quoi, quand même,
que le manque de rigueur de la défense française est un peu excessive pour un match international. Cette défense est jeune et expérimentale. Oui, très expérimentale. Et il faudrait beaucoup de matchs pour se faire. J'espère qu'on arrivera à une solution avant. La ligne d'avant n'a pas mal joué, quoique le rôle de Beretta manque un peu de netteté, mais il y a quand même eu des tirs. Nous avons eu obtenu, je crois, 7 corners. Cette équipe du Danemark, ce ne sont pas des foudres de guerre. Très décevant. Ce sont des bons mercenaires, comme on dit, mais sans génie aucun. Il faut dire qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Ils n'ont pas l'habitude, ils ont l'air d'être très, très heureux de se retrouver. C'est une visite à Paris grâce au football qui doit leur faire plaisir. Ils n'ont rien montré, simplement peut-être un jeu un peu sordide, ce qui peut leur donner droit peut-être au titre de mercenaires, car de professionnels de football, on attend quand même un côté artistique qu'on n'a pas eu avec les joueurs du Danemark. Quant aux joueurs français, très honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, j'ai trouvé que sur le flanc gauche, Charamania s'est bien défendu, car il a un garde du corps que vous connaissez, qui n'est pas le premier venu. Non, c'est le joueur du Bayern de Munich. Et je crois que dans cette équipe de France, qu'on ne peut pas accabler, parce qu'on savait au départ ce qu'elle valait, quand même, le match de Charamania est encourageant, parce qu'il a eu des gestes d'un grand ailier gauche naturel qui n'a que 22 ans et qu'on attendait, un tir du gauche qui n'a pas eu l'occasion encore de placer, mais ses centres soudain au cordeau étaient remarquables. Revelli, je trouve, a fait une bonne rentrée en équipe de France, toujours à la pointe du combat. Il a eu une belle occasion début de main dans une situation difficile. Il manque quand même un grand animateur, car ni Chiesa ni Beretta ne sont des grands leaders. Et étant donné les circonstances, il faut que le sage se contente de peu, sachant nous contenter de ce qui n'a pas été un grand match de football, mais disons un honnête divertissement de football. Et puis, soyons patients, nous avons maintenant 5 ans pour nous retrouver sur le chemin de la Coupe du monde. Merci beaucoup, Jean Eskenazi. Claude Brasseur, Vidocq, tous les lundis, c'est d'actualité. Merci Claude d'avoir bien voulu venir nous rejoindre. Claude, vous connaissez bien les joueurs français, on vous voit très souvent à l'occasion des stages de l'équipe de France. Vous êtes vous aussi un des animateurs de cette équipe, vous êtes un peu déçu? Oui, encore que faut toujours être prudent, on ne juge pas un coureur de 100 mètres quand il en arrive aux 50, alors il y a encore une mi-temps, mais effectivement, on ne voit pas grand-chose à ajouter sur le plan technique à ce que vient de dire Jean, d'abord qui est plus qualifié que moi. Effectivement, c'est très décevant aussi bien du côté danois que du côté français. Du côté danois, bon, évidemment, ils arrivent de tous les côtés. Ça manque de méthode. On sent qu'ils ont des possibilités à l'avant également. On sent surtout que ces joueurs, les mercenaires, comme on les a appelés, qui sont un peu disséminés aux quatre coins de l'Europe, n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Non, il n'y a aucune méthode. Alors qu'en France, si vous voulez, je pense que la politique de Kovacs est remarquable. Par exemple, Bracci, je crois, peut devenir un type remarquable. Je crois que ce qui est intéressant dans un match comme ça, malheureusement, c'est pas le match lui-même, mais c'est les ouvertures que ça peut laisser entrevoir pour l'avenir. Effectivement, vous le disiez tout à l'heure, alors il y a trois gars, moi, que je remarque aujourd'hui, c'est Bracci, Ravier et Charamania devant. Repellini est pas mal non plus, je trouve. Oui, Repellini, mais enfin, je veux dire, c'est pas une découverte. Oui, c'est vrai. Alors, ça, je crois que c'est des gars qui deviendront titulaires s'ils continuent dans cette progression. Si déjà ce match nous a apporté ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Effectivement, sur le match lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire. Avant de porter, vous l'avez dit, un jument définitif, attendons de voir la deuxième mi-temps, car je crois que M. Kovacs a peut-être profité justement de ce match amical pour faire des essais en deuxième mi-temps. Il a tout de même des remplaçants de marque, il y a le frère de Revelli qui va peut-être rentrer, il y a aussi d'Alger, oui, il y a Papy, le joueur Bastier. Moi personnellement j'aimerais bien en voir un ou deux, vous aussi sans doute. Moi aussi j'aimerais bien, Berdol et Guillou et toute sa bande. Bien, merci beaucoup. Je vais voir si Michel Drey a un invité à ses côtés. Non, eh bien écoutez, attendons que Michel Drey nous appelle. En attendant, je vous propose de vous reposer un petit peu, de vous détendre vous aussi et d'écouter peut-être, et pourquoi pas, l'excellente musique du 8e régiment de transmission du Mont-Valérien qui exécute le programme musical ce soir. À mes côtés, mon camarade du service des sports, Pierre Cangioni. Pierre, vous tombez bien, avec Claude Brasseur, nous parlions
de Papy tout à l'heure. Car on se demandait si Papy allait peut-être entrer en deuxième mi-temps. Je vous dis ça car vous êtes un supporter du football corse, c'est normal. Papy est de Porto Vecchio, je crois. Papy est de Porto Vecchio, il évolue à Bastia depuis plusieurs années. Écoutez, je pense que sur ce que j'ai vu de la première mi-temps, je ne peux pas résumer de ce qui se passera en deuxième mi-temps, mais sur ce que j'ai vu de la première mi-temps, je pense que Papy peut entrer. C'est un très 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 bon milieu de terrain. Le jeu est relativement lent. Lui que l'on dit lent surtout, mais très technique, il pourrait très bien s'intégrer dans cette équipe de France et apporter, je crois, un soutien dont elle a besoin, parce qu'on n'a pas vu grand-chose pendant cette première mi-temps de l'équipe de France, mais l'équipe du Danemark ne fait rien pour favoriser le beau jeu, je veux dire. Nous avons une équipe du Danemark sans ambition, on se demande un peu ce qu'elle est venue faire en France. Ce n'est pas pourtant un match officiel, il n'y a pas des points à gagner, il n'y a pas un avantage à conserver, pourtant on dirait qu'on joue presque le temps. En tout cas, on comprend également, c'est peut-être une consolation que le Danemark ne participe pas à la prochaine Coupe du Monde, car c'est une équipe qui est venue là un peu en touriste. Et c'est d'autant plus grave que cette équipe paraît à notre portée. Elle paraît à notre portée, je pense que cela peut s'améliorer en deuxième mi-temps. Il y a eu quelques fautes qui ont été commises, surtout en défense. Alors la défense est un peu affolante malgré tout parce qu'il y a très peu d'attaques danoises. Et sur les quelques attaques danoises qu'il y a eu, on a eu des énormes bévues, en particulier les passes aux gardiens qui ce soir vraiment ne sont pas très 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 assurés, c'est le moins que l'on puisse dire. Et surtout des garçons pourtant comme Adams qui par ailleurs joue très bien et font des bévues énormes. C'est surprenant, on se demande si vraiment Stéphane Kovacs, pendant la mi-temps, va pouvoir donner des consignes à ses joueurs et si celles-ci seront appliquées en deuxième mi-temps, espérons-le. Merci beaucoup Pierre Cangiani. Michel Drey, c'est à vous sur la pelouse. Oui, avec Jean-Pierre Degliani que vous connaissez, qui après avoir fait les beaux jours d'Angers, de Monaco, de Bastia également, opère maintenant au Paris Saint-Germain. Degliani, alors cette première mi-temps, qu'en pensez-vous ? Je vous dirais que je suis assez déçu, quoi. Comme on a pu le voir, on n'a pas réussi à concrétiser une certaine domination. Je suis assez étonné de la résistance des Danois. On avait dit que c'était assez faible, mais finalement ça ne l'est pas. Et ils ne sont pas très forts non plus, et c'est ce qui est malheureux. On n'arrive pas à concrétiser la légère supériorité qu'on peut. Est-ce qu'à votre avis, il fallait sélectionner de très jeunes joueurs pour cette rencontre ? Ah ça, vous savez, je pense que Stéphane Kovacs a assez d'expérience pour savoir ce qu'il fait. Le match en lui-même démontre qu'on manque, à mon avis, d'une certaine maturité internationale. Ça, c'est flagrant. Maintenant, ça, pour l'avenir, c'est à lui de voir. Hein. C'est lui qui prépare l'avenir. Puis ça va peut-être venir en deuxième mi-temps. Il faut l'espérer. Je pense que si l'équipe de France arrive à marquer un but, peut-être, ça va libérer certains gars et ça leur fera énormément de bien parce qu'en football, la psychologie du joueur est aussi importante que la condition physique. Et là, pour le moment, ils ont l'air assez renfermés. Ils n'arrivent pas à s'extérioriser, on dirait. On peut parler un peu de Paris Saint-Germain. C'est une belle aventure, je crois, pour ce club en ce moment. Oui, pour le moment, ça va. Là, on a marqué le pas dimanche dernier face à une bonne équipe de Mantes. Hein. Mais disons que si nous gardons la même idée du football que nous avons, c'est-à-dire un football collectif et rationnel, je pense que dans le championnat de deuxième division, on pourra faire une belle saison. Il y aura peut-être trois équipes à Paris en première division de la saison prochaine. Ah ça, c'est ce que je souhaite, oui. Paris Football Club, le Red Star, et peut-être Paris Saint-Germain, mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Merci Jean-Pierre, à vous Michel. Merci. Dans quelques instants, les 22 acteurs de cette rencontre, voici déjà les ramasseurs de balles, vont revenir sur la pelouse. Et il sera intéressant de voir, la caméra de Pierre Badel est d'ailleurs sur le vestiaire, s'il y aura des changements. Ah, je crois que Michel Drey a un invité à ses côtés. Je crois que c'est notre Jean-Paul Sereny national, c'est-à-dire le masseur de l'équipe française. Exactement. Un mot de Jean-Paul Sereny. Il n'y a pas trop de problèmes avec les joueurs français J'en ai eu, mais le problème que l'on voit actuellement, que tout le monde peut voir, c'est le problème de jeunes qui ne sont peut-être pas encore adaptés totalement à l'équipe de France. Mais c'est une expérience qu'a voulu tenter M. Kovacs. Il faut la prendre complètement, avec l'idée qu'il est possible qu'on ne gagne pas le match, mais c'est une épreuve utile, indispensable pour bien faire tous ces joueurs. En avant-première, est-ce qu'il va y avoir un changement assez inédit. Je ne veux pas vous dire encore. Bon, il y aura certainement un changement inédit, Michel, en deuxième période. Très bien, merci. Bien, nous allons voir d'ailleurs, puisque les joueurs reviennent maintenant sur la pelouse. Nous allons regarder très attentivement pour voir si du côté français, Stéphane Kovacs fait entrer les remplaçants prévus. Je vous signale qu'il y a le gardien Charrier, Papy de Bastia, Zvanka de l'Olympique de Marseille, Patrick Révelli de Saint-Etienne et d'Alger de Monaco. Pour l'instant, il n'y a pas de changement. Bertrand de Manella, Bracci également, Michel aussi, Adams, Mercadier, Ravier,
Saramagna, Chiesa, Revelli, Beretta. Donc pas de changement. Stéphane Kovacs fait confiance pour l'instant en ce début de deuxième période aux 11 garçons qui ont joué en première mi-temps. Donc avec les interviews que vous avez entendues à la mi-temps, vous pouvez faire une plus juste idée maintenant de ce match. Match jusqu'à maintenant assez décevant. Attendons la deuxième période. Monsieur Kovacs, le voici. Il a allumé une nouvelle cigarette à ses côtés. Les remplaçants, vous les apercevez de profil. Et puis Monsieur Patrel, bien connu dans le milieu du football. Il y a également Michel Hidalgo. Deuxième mi-temps. Danemark, droite à droite. L'équipe de France en maillot gauche. Pas de changement non plus dans l'équipe du Danemark. Voilà, c'est parti pour 45 minutes. Je vous rappelle, 0-0 à la mi-temps. Si vous arrivez seulement maintenant chez vous, vous n'avez pas perdu grand-chose. Score vierge. Les Français ont dominé maintenant avec 9 corners contre un seul pour les Danois. Mais ce corner, ces attaques ne seraient pas concrétisées par un but que nous attendons avec impatience et qui libérerait, comme l'a dit Dogliani à la mi-temps, l'équipe française. Hansen. Mauvaise balle. Vous voyez que les Danois ne s'entendent pas très bien non plus. Ce qui est plus facilement compréhensible. Alors, répétons-le, 9 des 11 joueurs danois présents ce soir. Oh là là, mauvais dégagement hasardeux là, de Bertrand Delan, qui oblige Repelini à un gros effort pour revenir. Adams. Adams qui va peut-être libérer ses camarades en montant, comme le fait souvent Marius Trésor, un des grands absents de ce match. Marius Trésor est blessé. Henri Michel. Non, Revelli a essayé de marquer de la tête. Chiesa, oui, une faute. Saramagna reconnaît qu'il y a eu un geste qui aurait pu blesser Hansen. C'est donc un coup franc indiscutable qui va permettre à Jensen, le gardien de Copenhague, de se dégager. Environ 30 000 personnes ce soir au Parc des Princes. Température hivernale, mais très bonne condition de jeu. Le public voudrait lui aussi se libérer. Il ne demande qu'à encourager les deux équipes. Et pour l'instant, il n'a pas eu l'occasion de s'enthousiasmer. La fin de la première mi-temps a été beaucoup plus lente et beaucoup plus hachée que la première période. La première partie de la première mi-temps. Une faute de Repelini. L'arbitre l'a joué. Olsen pour Bjørnmoos. Olle Bjørnmoos de Hambourg qui essaie de croiser avec son camarade de Mönchengladbach, Henning Jensen, qui n'a pas été très brillant non plus en première mi-temps. Saramagna qui se bat comme un beau diable sur le flanc gauche là-bas avec Damas de Saint-Etienne, Revelli. Encore Saramagna, il faut jouer plus vite, plus vite, plus vite. Ravier, le Lyonnais. Ouverture pour Bracci, venu en position d'ailier, l'arrière marseillais. Et non, ce n'est pas un corner. Bière, le capitaine, va écarter le danger, mais directement en corner. Neuvième corner français contre un seul. Pour le Danemark, Saramagna, Beretta, Michel, Revelli et Chiesa en retrait essaient d'inquiéter la défense danoise. Une main, oui, Repelini a rabattu indiscutablement cette balle de la main droite. Je vous comprends, M. Aldinger de la République fédérale allemande ne laisse rien passer. L'arbitre avec une belle autorité cette rencontre ce soir. M. Aldinger est un des meilleurs arbitres allemands. Il est assisté par M. Peter Teigele et Kleiderer, je vous le rappelle. Dégagement de Jensen. Base aérien sur, pour Lund, le petit ailier. Bracci directement en tout. Nos invités à la mi-temps vous ont parlé bien sûr des fautes assez grossières qui ont été commises par la jeune défense française. Rappelons que l'équipe française ce soir est très jeune. C'est la plus jeune équipe mise sur pied en France. La moyenne d'âge est de 23 ans et demi avec des joueurs comme Mercadier, comme Bracci qui n'ont que 21 ans. Pour vous donner une idée, le vétéran ce soir, Beretta avec 27 ans et demi, suivi de très près, un mois près, par son camarade de Saint-Étienne, Hervé Revelli, qui a 27 ans. Et c'est une équipe très jeune. On peut donc lui pardonner ses hésitations, son manque de sang-froid. Elle est là pour apprendre. Le chemin sera encore très long. Nous avons 5 ans devant nous pour reprendre notre place sur l'échiquier international et pour espérer disputer la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en 78, car il faut tirer un trait, vous le savez, sur celle de Munich. Oh là là, c'est dangereux tout cela. Tir violent contré par Mercadier avec Abeck et Bertrand Demann.
prend le demi-centre Viggo Jensen, qui joue lui aussi comme son camarade Hansen au Bayern. Ici Jensen, l'ailier gauche de Mönchengladbach, bien contré par Henri Michel. On joue depuis 5 minutes en deuxième mi-temps. 50 minutes de jeu depuis le début de ce match. Le deuxième corner pour le Danemark tiré par Jensen. Encore Jensen qui pénètre dans les 16 mètres, tire à ras de terre. Il était temps, Bertrand Demann en corner, le troisième corner. Deuxième corner en moins de 2 minutes avec cette fois le petit Flemming Lund d'Anvers. Qui va pouvoir tirer ce corner. Sortie, bon dégagement du point de Bertrand Demann. Attention à la reprise. Reprise de volée du pied gauche de Viggo Jensen. C'est Pierre Badel le suit ici en gros plan, le joueur du Bayern, qui en est à sa 8e sélection ce soir. On rappelle que le Bayern de Munich est toujours en course dans la compétition européenne, dans la Coupe d'Europe, après une qualification difficile face à l'équipe de Dresde, Dynamo de Dresde. Le Bayern qui occupe la 2e place du championnat d'Allemagne à égalité avec Mönchengladbach. Encore le Danemark avec l'impétueux Olsen. Olsen qui a essayé d'alerter l'avant-centre à Abeck, Mercadier. Ah, cette passe manque de précision. Michel est prêt à contre-près. Jensen directement sur Bertrand Demann qui était surveillé de très près par Abeck du FC Bruges. C'est un des plus gros transferts de l'année pour le football danois. Abeck a été transféré pour près de 40 millions dans l'équipe de Bruges, du FC Bruges. Et le public s'impatiente, vous aussi, je le sais. Nous avons encore 40 minutes pour voir cette équipe française s'imposer. Et pour l'instant, elle piétine. Oh là là, l'ailier gauche Hansen qui a des boulevards devant lui, là, c'est anormal tout cela. Olsen, Michel, descendu par le demi-centre Viggo Jensen. Michel est légèrement touché au genou gauche. Il doit légèrement, mais il peut tout de même reprendre sa place. En inquiétude. Beretta, assez discret depuis le début de la deuxième mi-temps. Beretta qui essaie d'échapper à Olsen, qui a le dessus. Encore Olsen et le capitaine. Ah, les joueurs danois jouent avec tranquillité. Il faut dire qu'ils ne sont pas souvent inquiétés en défense. Et c'est au contraire ici Bjørn Moos qui contre-attaque avec encore un boulevard devant lui. Il a tout son temps pour remonter tout le terrain. À sa droite, Lund l'ailier, surveillé par Bracci et encore Lund. Lund qui, avec Henri Michel, Adams, tout ça est trop latéral, trop en retrait. Repellini, Michel, c'est un... Oh là là, balle trop longue. Avec hors-jeu, Lund signalé hors-jeu par M. Pleiderer, un des trois juges allemands. Et le premier, un applaudissement, malheureusement, ce n'est pas pour un attaquant soit danois soit français, c'est pour l'arbitre qui a botté, qui a chuté ici dans cette balle pour ne pas perdre de temps. 8 minutes de jeu en deuxième mi-temps, 53 minutes depuis le début de cette rencontre amicale, qui promettait beaucoup et qui pour l'instant ne tient pas ses promesses. Espérons que les Français vont s'énerver un peu, vont surprendre cette défense. Voilà un centre, une bonne intervention de, avec beaucoup de sang-froid d'Hansen sur ce centre de Beretta. Et les Danois avec ici Jensen, le longiligne ailier de Mönchengladbach. Jensen, Adams, Jensen toujours. Il en fait un peu trop tout de même là. 3 contre 1, il perd la balle. Repellini, Michel. Et peu de joueurs démarqués, oui. Peu de solutions, sauf Henri Michel. Il trouve tout de même Chiesa ici, sur le flanc droit. Chiesa, centre de Chiesa, à ras de terre, Bière dégage, passant assez maladroite, trouve une touche qui fait gagner quelques mètres, comme en rugby à l'équipe française. Tout joué par le Lyonnais Chiesa, Repellini. Cherche une tête, cherche un de ses camarades démarqué. Revelli, très discret depuis le début de la deuxième mi-temps. Bjørn Moos, Hansen. Intervention de l'arbitre, involontaire bien sûr, Beretta
Saramagna, voilà une occasion peut-être, centre de Saramagna, rat de terre, une erreur de la défense danoise qui va peut-être profiter aux Français. Michel, Chiesa est à droite, voilà il est servi, mauvaise passe de Michel. Et Pellini, Mercadier. Tentative, non, trop lointaine de Repellini. 10 minutes en deuxième période, 55e minute. Ah, vraiment, ce match ne décolle pas. Les Français piétinent. Un jeu trop brouillon, pas assez construit, manque de vivacité. Et l'adversaire est pourtant à sa portée. Les Danois ne sont pas des poudres de guerre. Ils ne jouent pas mieux. C'est ça qui n'est pas réconfortant. Revelli. Intervention très nette de Hansen. Saramagna est un des Français qui se bat avec le plus de détermination. Et pourtant, il est surveillé par un des meilleurs joueurs du championnat d'Allemagne, le Danois Hansen. Lund, Saramagna, Bracci, Ravier. Les retards en retrait, perd du temps, perd du terrain. Michel, tout cela est bien sûr très latéral, mais c'est pas gagné 1 cm. Revelli au point de pénalty, Beretta peut-être une occasion. Ah, Saramagna arrive un peu tôt, Hansen a eu le temps de dégager. C'est maintenant Jensen. Jensen et Bjørn Mose. Ole Bjørn Mose, joueur d'Hambourg. Jensen bien attaqué par Mercadier. Tacle régulier. Voilà une belle occasion ici. Revelli qui a alerté Chiesa sur l'aile droite. Surveillé par Bier, le capitaine. Centre de Chiesa. Beretta peut-être une occasion. Oui. Ah oui. Ah, ça fait plaisir. Enfin. Ah ben nous ne sommes pas mécontents. Nous allons revoir ce but ralenti avec un beau centre. Un beau centre de l'intérieur du pied de Chiesa. Mésentente, le gardien est sorti un peu tard. Le contre est favorable aux Français. Et malgré le retour de deux joueurs et du gardien, du pied droit, Beretta libère enfin les Français après 57 minutes de jeu. 57 minutes de jeu sur un bon centre de Chiesa. Beretta trouve enfin le chemin défilé. 57 minutes, 1-0, but du capitaine Georges Beretta. Ah, voilà qui fait plaisir et qui, je l'espère, va nous permettre maintenant d'assister à une très belle fin de partie. Les Français vont probablement se détendre. Ils ont attendu 57 minutes pour tromper le gardien Jensen, qui était montré excellent, qui a hésité à sortir. Le ralenti, vous l'approuvez, sur le centre de l'intérieur du pied de Beretta. Il est sorti un dixième de seconde trop tard. Il y a eu une mésentente entre ces deux arrières centraux et Beretta en a profité. Encore un centre ici de Henri Michel qui récupère cette balle. Centre de volée, on l'a reprise, signalé hors-jeu. Il y avait un hors-jeu. Hors-jeu, Serge Chiesa était signalé hors-jeu. Voyez le centre. Belle reprise difficile d'Henri Michel. Reprise de Chiesa, oui, avec à sa droite Revelli, mais il était signalé hors-jeu, le juge de ligne, qui est monsieur Peter Tegele, avait levé son drapeau. Deuxième occasion, en tout cas le centre de Michel était parfait. C'est curieux, les Français réussissent les choses difficiles et les choses les plus faciles, ils les manquent. La reprise en demi-volée de Chiesa était superbe. Saramagna, chargé par Hansen, son garde du corps. Centre de Saramagna, Bier renvoie dans les pieds de Ravier qui perd la balle. Beretta revient. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Beretta directement dans les pieds de Jensen. Et maintenant c'est Abeck. Holsen. Jensen, l'ailier qui est en position d'avant-centre maintenant. Attention. Bertrand De Man s'y prend à deux fois. Il était temps car Abeck était là alors qu'un joueur allemand, je crois que c'est Jensen, reste étendu. Avant que ce soit Abeck. C'est Abeck, oui. Abeck. L'avant-centre du FC Bruges qui reste au sol. Au point de pénalty, monsieur Halvinger, l'arbitre allemand, n'a pas arrêté le match, disant que ça n'était pas grave. Repellini, 20 mètres de la cage, tir contré par le capitaine Bier. Olsen.
et puis Von Seed. Hansen. Hansen qui passe une soirée difficile. Lui qui a l'habitude d'affronter toutes les terreurs du football allemand a trouvé en Saramania un adversaire à sa taille. Le public siffle car l'arbitre allemand, M. Aldinger, arrête seulement maintenant le jeu. Nous allons faire autant. Car un joueur danois est touché. Je crois que c'est Olsen. Bertrand Demann, lui aussi, était légèrement touché car j'aperçois les soigneurs français et Jean-Paul Serini, le masseur, qui est maintenant qui s'affaire autour de Bertrand Demann, qui semble s'être blessé sur cette action. Bertrand Demann s'est lancé avec beaucoup de courage dans les pieds de deux attaquants danois. L'un des deux est resté au sol et Bertrand Demann est blessé lui aussi. Donc ça ne sera pas grave. Voilà Bertrand Demann. Michel Hidalgo, Jean-Paul Serini. Voilà, le joueur danois peut reprendre sa place. Quant à Bertrand Demann, voilà, après un léger massage, monsieur l'arbitre Aldinger lui demande s'il peut reprendre le match. Voilà qui est fait. 15 minutes de jeu exactement. 60 minutes de dos. Le numéro 8, c'est-à-dire Bjørn Mose, les Bjørn Mose. Bière, le capitaine. Mercadier qui accompagne en touche. Puisque vous voyez Mercadier, je profite pour vous dire que si vous habitez la région de Saint-Étienne, il y aura samedi prochain au stade Geoffroy Guichard un match très intéressant, un match amical entre l'association sportive de Saint-Étienne et l'équipe de Real de Madrid avec un grand joueur, Netzer, Gunther Netzer, qui, vous le savez, joue maintenant en Espagne. Jensen et Chiesa. Je regarde sur la touche, je ne vois pas de joueur français sélectionné comme remplaçant s'échauffer. Donc pour l'instant, Stéphane Kovac fait confiance après 60 minutes de jeu aux 11 garçons qui sont maintenant encouragés par une partie du public du Parc des Princes qui scande le traditionnel « Allez la France, allez la France !» Faute de Mercadier sur Olsen. Jensen, Bière, joueur du Racing White de Bruxelles, en tête du championnat de Belgique. Gravier, Pellini, Chiesa, pour jouer plus vite, maintenant plus vite, plus vite. Pellini, maintenant le Lyonnais Gravier, directement sur Hansen. Bratti est là, Michel, bonne déviation pour Evely, Beretta, tête de Von Sild, Saramania là-bas isolé sur l'aile gauche, il a tout son temps pour centrer, va-t-il faire, préfère donner à Ravier, tir de Ravier contré par Von Sild, Beretta récupère, un tir difficile de l'extérieur du pied gauche qui aurait pu surprendre Jensen. Et pendant que le gardien Hansen dégage, j'en profite pour saluer nos amis luxembourgeois, tunisiens et marocains, ainsi que les téléspectateurs d'Algérie qui nous relaient ce soir en direct. Le Danemark, quant à lui, recevant en direct avec le son d'un commentateur danois, qui officie aujourd'hui à mes côtés, M. Verm Freund, qui reçoit ce match en direct. Hansen, directement pour le gardien. Touche. Brachi qui se bat main beau diable là-bas. Brachi qui fait des débuts prometteurs ce soir à Paris. Brachi qui a débuté dans les minimes de l'Olympique de Marseille. Qui défend les couleurs de l'OM avec beaucoup de courage. Brachi. C'est un espoir, je vous l'ai dit au début de ce match. Chiesa,
Centre de l'intérieur du pied. Oh, il était tort, Révelli, il s'était précipité. Une autre reprise. Ça, c'était bien joué, avec encore un centre de Chiesa qui est à l'origine du seul but marqué jusqu'à présent dans les mêmes conditions. Vous voyez, centre de Chiesa, tête de Bière, alors que Révelli arrive à toute vitesse et c'était déjà élancé. Reprise de Saramadia qui n'inquiète pas le gardien Jensen. Voilà une belle occasion. Un remplaçant dans l'équipe du Danemark qui va entrer en jeu. Je vous rappelle qu'il y a 5 remplaçants prévus. Bach, Dagborg, Larsen de Njokbing, Staboué de Hvidovre, ainsi qu'Andresen de Copenhague. Hansen, l'arrière droit en position d'ailier, amorti de la poitrine de Lund, tire. Superbe plongeon de Bertrand Demann, car la balle allait directement au fond des filets. Je ne sais pas si nous allons avoir le ralenti. Oui, merci Pierre. Belle reprise à la limite des 16 mètres de Lund et un superbe plongeon de Bertrand Demann qui a décollé, qui s'est littéralement envolé pour mettre en corner. Quatrième corner pour l'équipe du Danemark avec une très belle intervention, avec un réflexe de très grande classe de Bertrand Demann. Avec, surveillé par Repellini, pris à contre-pied Henri Michel, mais Mercadier est là. Adams, ah les Français, beaucoup de mal à dégager. Tacle audacieux de Olsen devant Chiesa. Pierre Adams. Attaqué par Abeck. Adams qui monte. Jean-Pierre Adams. Joueur nantais maintenant. Michel. Le public lui demande d'accélérer. Chiesa. Beretta, difficile. Les Français sont assez mal placés. Là, ils sont surveillés. Ils sont englués dans un paquet de joueurs danois. Là. Michel, voilà une belle occasion. Chiesa. Henri Michel tire du pied gauche en pleine course. Il avait un rideau là, impressionnant devant lui. 5 joueurs danois. Et il a manqué, bien sûr. Il n'a pas armé son tir dans les meilleures conditions possibles. C'était son pied gauche en plus. Encore qu'Henri Michel soit très à l'aise des deux pieds, mais il n'avait pas les meilleures conditions de tir. Jensen. Un nouveau coup de sifflet de M. Halblinger, favorable aux Danois. Lund, il faut surveiller le petit Lund, un danger constant. Il fait penser à le petit écossais de Johnston, de Glasgow. Regardez comme il est incisif, le Lund. C'est le plus petit joueur sur le terrain avec Chiesa. Mais il ne manque pas de talent. Bracci. Chiesa, une occasion ici. Eh, belle sortie de Jensen. Voilà une occasion. Les Français jouent tout de même mieux depuis le début de cette deuxième mi-temps et depuis ce but réussi par Beretta. Il semble avoir retrouvé les forces. Non, une feinte qui échoue totalement, une feinte de Jensen, qui n'a pas surpris Repellini. Je crois que c'est Andresen, à moins que ce soit Larsen, qui rentre ici. Il fait son entrée. Le sélectionneur Judy Stritisch, que vous voyez ici de dos, et qui joue à Besançon au cours des années 53-54. C'est Larsen. Larsen fait son entrée et il remplace le numéro 5, Jensen. Larsen de Nykøbing. Alors que Stéphane Kovac va peut-être faire appel au frère d'Hervé Révelli, Patrick. Je vois Patrick Révelli de Saint-Étienne qui s'échauffe. Il faut donc s'attendre à une modification dans l'équipe française. Et le remplaçant de Jensen, l'athlétique Larsen a touché cette première balle. Dégagement de Bertrand Demann sous les sifflets du public. Et un nouveau changement, c'est le numéro 12 danois qui s'échauffe maintenant. Le sélectionneur danois modifie maintenant sérieusement son équipe. Balle très aérienne. Un beau retourné de Révelli, il n'y a plus personne dans les buts. Ah, c'est trop tard maintenant. Jensen a eu le temps de revenir sur sa ligne de but. Michel, alerte Beretta,
dans les 16 mètres maintenant. Il revient derrière Repellini. Ah, les Danois ont maintenant eu tout le temps de se regrouper. Chiesa. Beretta laisse échapper une balle facile. Ravier. Ah, pas mal de maladresse tout de même. Des balles faciles. Voilà, encore un changement dans l'équipe danoise. Monsieur Friedrich fait entrer Skovbo. J'espère que la prononciation est bonne. Monsieur Friedrich, je vous l'ai dit, qui joue en France en 1953 et 54 sous le maillot de Besançon. Vous savez que de nombreux joueurs danois disputaient une partie de leur carrière en France. Une belle tête, non, Revelli rate ici sur un centre de Chiesa. Maladresse. Biondoz est sorti. Beretta, Henri Michel. Il reste 20 minutes de jeu avant la fin de ce match France-Danemark. Largement suffisant pour marquer un ou deux buts. Tir de Ravier, non. Tir lointain, un peu trop croisé, qui n'inquiète pas Jensen. Je vous disais que de nombreux grands joueurs danois vinrent en France depuis la libération. Il y a eu Jensen à Lille, Zongard à Metz, Chris Jensen au Stade français et au Havre et à Lyon. Et puis plus près de nous, Ben Jensen qui joue à Bordeaux. Sans oublier Mikkelsen, que connaît bien Henri Michel et Bertrand Demann, puisque Mikkelsen joue à Nantes il n'y a pas si longtemps. Ces joueurs ont laissé d'excellents souvenirs en France. Des joueurs qui, sans être des poudres de guerre, je vous l'ai dit, posent des problèmes aux Français, qui commettent de très nombreuses erreurs, de trop nombreuses erreurs. Patrick Revelli s'échauffe, ne va pas tarder à faire son entrée, alors que son camarade de Saint-Étienne, Saramagna, a une possibilité de centre dans de bonnes conditions. Et belle intervention de Jensen, alors que Revelli était là en embuscade. Il s'apprêtait à reprendre. Je vous annonce donc maintenant un changement de joueur imminent dans l'équipe française. C'est Patrick Revelli qui va faire son entrée. Patrick Revelli, le frère d'Hervé, le Stéphanois, qui fut déjà sélectionné dans les équipes B, équipe Espoir. C'est un des meilleurs attaquants français. Et nous ne savons pas encore ici Lund. Non, l'arbitre avait sifflé sur une faute à Beck. Nous ne savons pas bien sûr quel est le joueur qui va sortir et céder sa place au jeune Stéphanois. Nous l'apercevons Revelli en grande discussion avec M. Stéphane Kovacs, qui lui a donné ses directives, qui lui a dit ce qu'il attendait de lui dans la dernière partie de ce match. Beretta. Pierre Badel, dans moins de 2 minutes maintenant, dans 1 minute, Revelli est prêt maintenant. L'arbitre va peut-être profiter de ce dégagement de Jensen. Monsieur Haldinger revient vers nous. Patrick Revelli porte le numéro 14. Il sera très intéressant de voir à l'œuvre ce jeune joueur. Il a marqué de nombreux buts à Saint-Étienne. Qui a retrouvé son frère Hervé, qui avait fait une infidélité de 2 saisons à Saint-Étienne pour jouer à Nice, mais qui a retrouvé le public stéphanois avec beaucoup de plaisir. Chiesa, Saramagna est tout seul, voilà qui est bien joué, Saramagna dans les 16 mètres, tir et but, non, maintenant sur l'extérieur, c'est dommage. Ah, c'est dommage, regardez le ralenti. Saramagna à pleine vitesse alors que Bière, le capitaine, revient, tir de Saramagna et sur l'extérieur gauche. Voilà Revelli qui fait son entrée, Michel Hidalgo. C'est Chiesa, le Lyonnais Chiesa qui sort. Remplacé par Patrick Revelli. Les deux frères Revelli pour la première fois en équipe de France, c'est un événement qu'il faut signaler. C'est tout de même très rare de voir deux frères jouer sous le maillot tricolore. On ne l'a pas vu souvent.
Lund, Bracci, qui ne s'en laisse pas compter, Bracci qui surveille ce diable de Lund, qui obtient tout de même un corner. Lund qui virevole, qui est tourbillonnant, très agressif, multiplie les démarrages et les fins de corps. Adams, tranquillement pour Saramania, voilà qui est bien joué, Saramania sur l'aile gauche. Devant lui, la Beretta, dans le rond central, Révelli, à l'aile droite, Patrick Révelli. Et venant maintenant soutenir ses camarades de l'attaque, Henri Michel qui réclame la balle. C'est Repellini. Non, c'est Michel. Ah, les deux joueurs se gênent. Finalement, c'est le Nantais qui conserve le contrôle de la balle. Et Patrick Révelli touche sa première balle. Michel. Aspirons que l'entrée du jeune Stéphano va donner un coup de fouet, provoquer le choc psychologique que nous attendons. Centre de Patrick Révelli, oh, sur le pied de son frère Hervé. C'était bien joué ça, très très bien joué. Je pense qu'avec le ralenti de Pierre Badel, nous allons pouvoir disséquer cette très jolie phase de jeu. Au premier poteau, reprise de l'intérieur du pied de volée, juste au-dessus de Jensen. Ah, les deux frères se comprennent bien, les automatismes reviennent immédiatement. Très beau centre de Patrick pour son frère Hervé. Et une belle occasion sur le pied droit du frère aîné. Saramania. Ah, c'est maintenant une équipe pratiquement stéphanoise que nous voyons évoluer. Ravier. Contré. Non. Pas un corner car c'est Saramania qui a touché le ballon dernier. C'est donc un dégagement de Jensen. Oui, les Stéphanois, le président M. Rocher, M. Garner et bien sûr Robert Arbin doivent être très intéressés par ce match. Enfin, il y a de très nombreux joueurs de l'association sportive de Saint-Étienne qui évoluent ce soir. Dans l'ensemble, ils se comportent assez bien. Saramania en particulier. Henri Michel. Bracci est parti à toute vitesse là-bas. Bracci en position d'inter-gauche. Beretta donne à Saramania. Prend tout son temps pour centrer. Bière écarte le danger. Patrick Révelli. Michel. Tire au-dessus. C'est dommage là car à gauche il y avait tout de même à la limite des 16 mètres. Il y avait Hervé Révelli qui appelait cette balle. C'est tout de même un corner tiré par Patrick Révelli. Beretta a émis du pénalty, une tête de Michel manquée, Ravier. Ah, Ravier qui a essayé de surprendre par un tir en cloche, là, un lob. Le gardien Jensen, qui était bien sur sa ligne, qui avait vu. J'avais senti le piège. Révelli, contré par Andresen, Olsen, attention Olsen, très décidé, personne ne l'attaque, c'est un tort, Olsen avec, non, les joueurs ne se sont pas compris, qui permet à Mercadier de donner à Beretta. Michel, Révelli, Patrick, demandez la balle, il est maintenant servi, sur l'aile droite, revient vers le centre, Michel, repart, c'est bien joué de la part du Stéphanois. Tire contré, contré favorable à Michel dans les 16 mètres. Que va faire Michel? Tire du gauche, encore contré. La balle revient dans les pieds de Révelli. Directement sur la tête de Von Seed. Ah, les Français dominent, mais ne parviennent pas à trouer la défense danoise. Qui ne cède pas, qui tient bon. Oh là là, le petit Lund qui s'explique avec le robuste Mercadier. Coup franc. Jensen. Tête de Habeck. Oh là là, une faute de Adams. Et Mercadier qui vient protéger Bertrand Demann. Il était temps, la légalisation. Oh, ça a chauffé. Là, les Danois étaient à deux doigts là, d'égaliser. Alors qu'un autre joueur français, ce qui va faire plaisir aux Corses, je crois que c'est Papy le Bastillais qui s'échauffe. Voilà une bonne nouvelle. Claude Papy, un des meilleurs joueurs du football français qui joue à Bastia. C'est un événement.
Tapi qui a été sélectionné. Le remplaçant va sans doute faire son entrée. Oh là là, cette balle est difficile. Bertrand Demann va devoir la boxer. Voilà qui est fait. Henri Michel écarte danger. Une belle balle cette fois pour Sarah Magnin. Position d'ailier. Les Danois reviennent à toute vitesse. Saramagna, à sa droite, Beretta, au centre, les deux Révelli, au point de pénalty. Centre de Saramagna, sortie tête de Révelli. Je crois que c'est Patrick Révelli, à moins que ce soit un défenseur qui est marqué contre son camp. Le ralenti va nous montrer ce qui s'est passé. Saramagna a centré. Figurait-il que l'équipe de France vient d'inscrire le deuxième but. Regardons le ralenti, il est important. Saramagna, surveillé par Olsen. Beretta est à sa droite avec le brassard de capitaine. Les deux Révelli sont au point de pénalty. Centre de Saramagna. Réveillé, eh oui, c'est le Danois, et volontairement, c'est Andresen, le numéro 12, qui marque contre son camp involontairement. Deuxième but français, marqué avec la complicité de la défense danoise, alors qu'il ne reste que 10 minutes de jeu. 11 minutes pour être plus précis, 79e minute. L'équipe française mène par 2-0. Il faut dire que le mouvement français avait été très intelligemment amorcé par Saramagna. Les deux Révelli étaient prêts là à la réception. Et c'est le remplaçant Andresen qui a remplacé Björn Moos, qui involontairement, en voulant protéger son gardien, a catapulté le ballon dans la cage de Jensen, son gardien. Donc 2-0. Et les Français maintenant appuient sur l'accélérateur. Révelli. Tir de Révelli. Magnifique plongeon de Jensen. Et Stéphane Kovac appelle Papy. Regardez le ralenti. 18-19 mètres. Très bon tir d'Hervé Révelli. Et magnifique plongeon du gardien danois qui lâche les appels à balle. C'est un corner tiré par Patrick Révelli. Voilà qui est fait. Henri Michel. Redonne au jeune Révelli, qui est excellent depuis son entrée, centre contré, et le danger est maintenant écarté. Je vous rappelle que Chiesa a cédé sa place il y a un quart d'heure environ à Patrick Révelli, et c'est maintenant le Bastier Claude Papy qui reçoit les conseils ici de Stéphane Kovac, qui va entrer à son tour. Encore un 109 qui va donner un coup de fouet aux Français pour ces 10 dernières minutes. Papy s'échauffe. Papy originaire de Porto Vecchio, une des pièces maîtresses de l'excellente équipe de Bastia. Tire de Beretta au-dessus. Ah, les Français, voilà Papy, joueur très sympathique. Claude Papy, 25 ans. Qui récompense la qualité du football pratiqué en Corse. N'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps, un des meilleurs buteurs du championnat s'appelait Sansonetti. Il n'avait jamais été sélectionné dans l'équipe de France, ce qui était pour beaucoup une injustice. Voilà donc une injustice réparée. Papy entre et c'est Ravier qui sort. Voilà, une bonne initiative. Nous allons donc pouvoir juger un nouveau joueur qui entre par la grande porte dans le club France, Claude Papy. Papy qui s'est montré excellent en championnat. Je vous rappelle que l'équipe de Bastia est actuellement 8e du championnat, égalité avec Nantes avec 21 points contre 25 à Nice et Saint-Étienne qui se partagent la première place. Le juge de ligne a levé son drapeau pour signaler hors-jeu. C'était une tête avec. Balle qui roule en touche. Permettre à Bracci. Bracci qui est sans doute suivi et beaucoup d'intérêt du côté du Trioulet à Marseille par tous ses amis, tous ses supporters. Bracci, François Bracci n'a que 21 ans. C'est sa première sélection. Et c'est un joueur qui mérite d'être encouragé, comme tous les joueurs de moins de 23 ans, car c'est même très impressionnant de débuter. Même autour d'un match amical. En équipe de France et devant les caméras de télévision qui ne sont toujours pas tendres. Lund, centre, Abeck, la balle pour le remplaçant Andresen.
qui est à l'origine du deuxième but français. L'arbitre a sifflé et demande à Repellini de garder son sang-froid. Public proteste. Encore 7 minutes de jeu. Le coup franc va être tiré par Larsen. Attention, de nombreux joueurs dans les 16 mètres français. Il y a Jensen, il y a Hansen, il y a Habeck et il y a Lund. Ça fait beaucoup. La défense française est là. Beaucoup de maillots bleus, vous le voyez, devant Bertrand Demann. De l'intérieur du pied, le coup franc. Lund. Reprise de Lund contrée par plusieurs jambes françaises et Beretta redonne à Bertrand Demann. Le bouillant Lund, qui était sans doute un des meilleurs joueurs sur le terrain ce soir, il a été un danger constant pour la défense française. Il n'est pas très athlétique. Je veux dire qu'un mètre 65 pour 57 kilos, c'est vraiment un petit gabarit, mais quelle vitalité. Adams qui monte. Il monte. Oh, une balle beaucoup trop puissante là, pour Saramagna et Bracci. Les deux jeunes français ne pouvaient rien faire. Les Danois en action, les deux remplaçants, Larsen. Olsen, contré par Michel, récupère la balle, le contre est favorable. Ça fait partie aussi du football. Alerte Larsen, redonne à son camarade du Cercle de Bruges, l'équipe que l'équipe de France B a rencontrée hier. À Lens, match nul, un but partout. Jensen qui était très timide ce soir, le joueur de Mönchengladbach. Il est beaucoup plus à l'aise dans son club. Et il a été assez timide, assez effacé ce soir. Patrick Revelli, Repellini avec Beretta, c'est toute l'équipe de Stéphanoise ici en action. Papi, sur sa première balle, Papi de Bastia qui alerte intelligemment Saramagna sur l'aile gauche. Centre de Saramagna qui prend à contre-pied malheureusement Papi et ce qui permet à Bière de dégager pour Larsen. Ça repart pour... John Steen Olsen, le joueur d'Utrecht. Seul joueur opérant en Hollande. Mauvaise passe à Lund qui n'est pas content. Et Bertrand Demann va pouvoir dégager. Nous entamons les 5 dernières minutes. Je vous rappelle, 2 buts à 0, but marqué par Beretta à la 57e minute et à la 79e, but marqué par la défense hollandaise qui était menacée par les deux Revelli sur un centre de Saramagna. Pour l'ensemble de la rencontre, l'avantage français est tout à fait mérité. Mais ce qui nous importe plus ce soir, c'est la manière. Et il y a beaucoup à dire sur la manière ce soir. Car après tout, une défaite devant le Danemark aurait été surprenante. Les Français étaient tout de même favoris. Ils vont gagner, certes. Mais il y a beaucoup à dire. Oh, la reprise de Papi! Merveilleuse reprise de Papi sur le centre de Repellini avant le corner. Pierre, nous avons le temps de voir le ralenti. Merci. Centre de Repellini. Regardez la reprise de volée fantastique de Papi à 3 mètres vraiment de Jensen qui a un réflexe étonnant et qui met en corner. Ah, encore là, une belle occasion française et un troisième but sur le pied de Papi. Tête. Oh là là, encore Jensen. C'est une tête d'Hervé Revelli là. Tête d'Hervé Revelli à l'issue d'un bon centre. Regardez le ralenti. Non. Non, peut-être le temps avant que Patrick Revelli ne tire ce corner. Là, Jensen vient à deux reprises de sauver son équipe. Deux buts là qui paraissent étouffés. Tête encore de Revelli. Manqué. Il t'a signalé que les deux occasions viennent de deux joueurs qui sont entrés dans la dernière partie de ce match, Papi et Patrick Revelli. Et ça n'est pas facile d'entrer comme ça dans un match à froid alors que ses camarades jouent depuis 78 minutes. Papi toujours. Joue avec beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid et distribue bien le jeu, Papi. Revelli, non, mauvaise balle pour son frère Hervé et dégagement de Jensen.
Jensen qui a eu vraiment deux ou trois arrêts déterminants, prépondérants ce soir et qui a évité sans doute une défaite sévère à son équipe, surtout sur ces deux tirs extraordinaires. Olsen, il reste 2 minutes à peine avant la fin de cette rencontre, un peu plus compte tenu de l'arrêt de jeu. Exécutif à la blessure de Olsen. Adams. Adams. Il vient épauler ses camarades de l'attaque. Il attend Beretta. C'est une perte de temps, mais il n'avait pas mieux à faire. Encore Adams. Position d'inter droit, Adams. Patrick Revelli, talonnade pour son camarade Beretta. Papy, voilà qui est bien joué, il n'est pas hors jeu Papy. Centre de Papy, reprise, tout ça. Oh, but superbe, but fantastique à la 89e minute. Un centre de Papy alors que l'angle était fermé et reprise foudroyante. Le centre en retrait est bien une des armes les plus redoutables en football. Regardez Papy, surveillé par Bière. Centre. Et Revelli à toute vitesse arrive comme une fusée et ne laisse aucune chance à Jensen. Ah voilà un but qui nous fait oublier une première mi-temps médiocre. Ah voilà une très belle fin de match avec un but fantastique de Revelli sur un centre de Papy. Et il a remarqué que le joueur de Bastia Papy, depuis qu'il est entré, a multiplié les appels de balles, il a très bien distribué le jeu. Il était à deux doigts de marquer déjà un troisième but il y a 10 minutes sur à l'issue d'un centre de Revelli qu'il a repris de façon extraordinaire du pied droit et de volée. Corner tiré par Lund. Encore Papy qui remet involontairement dans les pieds de Lund. Beretta, centre de Lund, Mercadier, Adams, Michel. Les dernières secondes de ce match. Papy, Saramagna. Saramagna centre, Bière est là. 3 buts à 0 et c'est fini. 3 buts à 0, c'est le score final. But marqué par Beretta à la 57e minute. But marqué par la défense danoise, involontairement bien sûr, à la 80e. Et à la 89e, il y a 1 minute 30, un but fantastique de Revelli. Avant de vous quitter, je vais redonner l'antenne à Michel Drey qui se trouve sur la pelouse avec le capitaine de l'équipe française, le Stéphanois Beretta. Oui, Georges Beretta, il y a eu une meilleure deuxième mi-temps, heureusement, de l'équipe de France. Oui, on s'est un peu plus trouvé en deuxième mi-temps, mais je pense que ça vient du fait qu'on a essayé de jouer au ballon et que le terrain est très mauvais aujourd'hui. Il est très bosselé. Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe de France en première période? C'est-à-dire, c'était difficile à trouver la confiance vu l'état du terrain. Le ballon ne faisait que sauter sur le terrain. Votre impression sur cette équipe du Danemark? Une bonne équipe, physique, on s'attendait à un match dur et ça a été le cas. Merci Georges, à vous Michel. Merci Michel Drey, bien voilà, vous avez sera le mot de la fin, vous avez eu le capitaine Beretta, non, vous avez encore peut-être Bracci, le jeune Marseillais, cela ferait plaisir à tous les supporters oui, marseillais. Oui, c'est un mot de Bracci alors pour cette première sélection. Ben, vraiment, je suis très content, on a gagné 3-0. Vous avez fait un bon début de match. Ah ben oui, c'est pour mon premier match, je crois que c'est assez satisfaisant. C'est l'essentiel, c'est d'avoir gagné. Voilà, c'est tout. Merci Bracci. Voilà Michel. Merci François Bracci. Eh bien, ce sera sur ces quelques paroles de François Bracci qui débutait ce soir en équipe de France et qui est interviewé par Michel Drey. Bracci avec cet accent ensoleillé qui nous venait de Marseille, que nous allons terminer ce reportage. Je vous rappelle, victoire logique de l'équipe française qui s'est fait attendre un peu trop longtemps à notre goût, mais une bonne deuxième mi-temps après une première période quelconque. Les buts, vous les voyez, Beretta, Andresen, Revelli. Le but de Revelli étant un modèle du genre. Merci de nous avoir prêté attention. C'était un reportage retransmis en direct depuis le Parc des Princes à Paris. La mise en image était de Pierre Vadel, les commentaires de Michel Drucker. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.